Que savez-vous de du précédent roi Volpépite? C'est moi qui l'ai tué. Lol lol lol. Pourquoi on a la couronne à ton avis? Ah bah oui. Regarde le symbole sacré. Sa couronne, sa dague, son symbole sacré, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux remourir? Tu me plais, mon petit. Maintenant, parlons affaires. Tu me plais. Apporte-moi cette couronne et je te récompenserai. Oh oui, bien sûr, je n'en doute pas. Tu remarques qu'il a la cuirasse de l'ancien. Elle vous plaît, cette cuirasse? J'ai pas pu l'emmener. Oui, beaucoup. Combien seriez-vous prêt à payer pour... On est important dans la salle, peut-être. Oui, un petit peu, non. Non, on parle de la porte. Personne s'approche. Personne s'approche. Mais bon, ouais, c'est bien. Combien ce mot? Il n'y en a qu'un seul qui devrait s'approcher, c'est lui avec la couronne. À la base. Faudrait rentrer un petit peu. T'as posé d'un lendemain sur toi? Au pire, on rentre un petit peu. Pas plus loin. Oh. Pas plus près, vous voulez dire? Ne joue pas sur les mots. Créature. Il est bon, c'est très capable. Bon, eh bien, très cher roi. Écoutez, je viens d'être roi, c'est pas facile tous les jours. Oui, non, je comprends beaucoup de responsabilités et... D'ailleurs, comment on va annoncer ça à l'autre cas? Seriez-vous prêt tout simplement à payer pour cette couronne? Oui, de vos vies. Payer de nos vies? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est avec des pièces d'or. Ah, on a des pièces d'or, je crois, ouais. Enfin, bon... Pour être devenu roi, je sais que chez les gobelins, on peut toujours avoir des exceptions, mais vous n'êtes pas sans ignorer la faiblesse de vos combattants, n'est-ce pas? Vous plaisantez? Non. Tu t'atteins quand même bien la gueule dehors. Ça fait un tour dans l'entrée. Excusez-moi, mais bon, votre chef n'a pas opposé beaucoup de résistance. Là, hein, mon combat s'en est. Ma foi avec la brochette de gobelins et tout. Mais je sais pas si ça reste bien attaché à une faux, les gobelins. Votre chef n'a pas opposé beaucoup de résistance en combat singulier. Non, ça bloquait la porte. Cassez-vous. Mais Volpépite était un faible. Oh. Un faible. On va faire le combat singulier contre lui alors. Coco. Et on verra. Coucou. Tu veux me défier en duel peut-être? Ah bah, non, pas lui, toi. Ah mais j'ai déjà fait ça avec Volpépite, ça a bien marché. Eh ben. Il n'a qu'à choisir un champion et je le propose comme champion. Que crains-tu alors? Oh, je me suis déjà bien battu cette nuit. Il est fatigué. Bon. Écoutez, c'est très simple. Est-ce que vous avez quelque chose à nous offrir pour vos vies? C'est votre arme secrète, vous savez écraser les têtes. Puisque la négociation semble passer au-dessus de vos courtes têtes. Oui, oui. Oui, je pense que il y a toujours plus à offrir quand il donne. Oui, je sais. Il écrase la tête de ses ennemis à la main. De toute façon, non. Arme de la lèvée pas dans tous les cas. Pour savoir si vous êtes très fou. Je suis fou. Je vais mettre un coup de fouet. Je peux vous offrir un symbole sacré. T'en as combien d'heures? En or. 40 heures, vraiment. Il est très joli. Allez, 43 parce que c'est vous. Non, sans déconner. C'est tout de haut, t'as vu? Eh ben pour un roi gobelin. Moi qui suis déçu. C'est pas chouette. Mais enfin, un roi gobelin, c'est un chef de tribu qui s'est autoproclamé roi. Faut pas que déconner non plus. Ouais, bah attends. Je vais me faire la même, non? Et alors? Eh oh, moi je le dis, c'est tout. Faut y aller. Mais où, symbole sacré? Comme par hasard, c'est moi qui adore rien. Il est dans mes effets personnels. Dans sa poche. Bon, on va le buter. Ça tombe bien, il est sur lui. Tu dis à l'attaque. Non. C'est une boutade. Quel pour. C'est moi qui vais le lire. Salamandre de feu. Attaquez ces orques. C'est gobelin dans ce cas-là. Parce que si c'était des orques. Je suis un petit pas là, je suis pas plus près. Donc, moi je. Non! Reculez! Ouais. On ne peut pas parler depuis le couloir, monsieur. La courtoisie gobeline a bien baissé depuis que je suis venu. Elle court, toi. Qu'est-ce que tu connais de la Commando! À l'attaque! Commando. Et l'initiative. Pardon. Le monde diagonal des trois. Mais il y a moins des... Ah, il y a là. 7. Oh putain. Voilà. 7. 16. 16. Tu fais 12. Moi je fais 7 et je fais 7. Je fais 1 et je fais 7. Oui. Ah merde. J'avais une demi... Allez, j'ai fait l'initiative. 2 de 20. Ça fait 18. Il faut laisser les 2 20. Décanter.
Alors, Tampax. Putain, mais il s'appelle vraiment Tampax. Il s'appelle vraiment Tampax. Je vais le mettre dans la cosy. Le premier qui dit ça va saigner, je lui fous une baffe. Je vais le mettre dans la cosy, c'est tout. Ça va saigner. Ça va. Je vais faire un conseil. Va t'asseoir dessus. Ça va. On va aller déglinguer. Alors, initiative. Yeah, c'est ah, ce que je vais faire. C'est la partie un peu chiante pour moi parce que là j'ai beaucoup, beaucoup de chasseurs. En fait, est-ce qu'on a toujours ma... Non, c'est trop tard, la bénédiction est partie, non? Ah ouais. Oui. C'était c'est deux bien minutes, on a bien parlé un peu. Oui, c'est bien ce qui me semble. Non, il y a pris. Oui, non, on serait parti. Hein. C'est Varun, c'est ça? Juste que j'étais à foutre une bonne imprécation. Je me dis que d'un coup, on va aider pas. Quelle sorte imprécation? Oui. C'est pour ça que c'est pas mal de faire bénédiction et imprécation. Ouais, c'est ça. Plus deux mois. Enfin, plus un. Alors, 1, 2... 3, du coup, c'est pour ça que j'étais là. 4, 5, 6, 7, 7. 7 aussi. Oui, mais avant lui, quand même. Ouais, le 1 et le 2, c'est juste pour identifier les deux ponts là. Oui. Le 1 et le 2, parce que, ok. Dans ce cas, ici, je touche tout le monde. Il y a plus chiant en bas, je pense. T'as 8, 9, 9, je savais pas que t'avais un t-shirt. T'as combien de l'initiative? 6. Ah, je l'ai piqué là. Je suis bon, je n'avais pas besoin de mettre t-shirt. C'est méchant. Pour moi non plus. Je sais pas pourquoi Australie n'est pas plus haut. C'est bon ou quoi ça? Parce que c'est de nains. De toute façon, c'était très fort aussi. Ah merde. Je pensais que d'ici je les touchais tous avec un cône de 4m50. Non, c'est d'ici je les touche tous. Dis-moi. 6. Je sais pas, lui il était à. Il était à une case de différence ici, lui, ou il était là? Là. 6, 7, 8. Non, mais j'étais à 9, mais tu m'as dit que je peux partir. Donc 9, 10, 11, 12. Je devrais venir ici et mettre un super cône. 12, 13, 14, 15, 16. 17. Hein 17. Chaîne, il y a combien? Chaîne, t'as 19, ce type. T'as combien de bonus d'initiative? Je peux pas faire ça, je crois. Hein? Tu veux faire quoi? Ici, cône couleur d'encentre, là, ici. Et puis, tu peux pas bouger après. Mais... Je peux pas bouger après, c'est obligé. Je pense à son prétexte, quoi. Genre, mon dé, on a l'impression que j'ai oublié quelque chose. Ton action mouvement, tu fais ton mouvement d'un coup et ensuite tu bouges après. D'accord. Si tu commences à faire, je fais une case, je tire mon sort. Oui, je fais une case. Okay. Oui, mais c'est pas ça, c'est juste en fait, moi, d'accord. C'est question survie que je disais ça. Ok. Eh ben, c'est parti. Alors, vous voyez le druide. Une sorte de lame de feu qui se gère en sa main. Ouais, ça va, on a quel ton pète. Bah, déjà, il a pas de pète, c'est déjà ça. Il était pas très solide. Il a un sabre laser. C'est ça, chaîne. Chaîne. Pardon, excuse-moi. On a dit que t'allais faire quelque chose, tu vas faire quoi, toi? Non, moi, je peux rien dire. On sait pas encore. Tu peux rien dire. D'accord. En fait, t'as le droit de juste te parler pour dire. Oui, voilà, on te clarifie un point de règle, etc. Mais la stratégie globale, si tu veux, on peut te. C'est avant. Soit on peut le dire avant, soit il y a un mec qui peut le dire ouais. Ça. Poussez-vous pendant que. Alors, tu lâches pas plus de 6 mots à ton round, normalement. Ouais. Bon, là, ça t'a déjà beaucoup. C'est toi qui parles, là. Non, mais c'est ensuite, t'as le droit de lâcher un mot, en général, hors de ton. Mais c'est juste un mot. Pas ce qui se passe dans la tête. Les dés, c'est les autres. Non, c'est eux, là. Les dés, c'est pour différencier les deux. On met sur un petit socle. Bon. Numéro 1, numéro 2. Faut que je prenne pendant 8 jours. Je vais juste me déplacer. Retarder, je vais juste me mettre devant pour couvrir les gens. Tu as une autre possibilité, c'est retarder son initiative. C'est tu décides d'agir au moment où tu veux dans le round, mais là t'agis pas et tu laisses les autres. Bah là c'est plutôt ce qui m'arrangerait en fait. Bah voilà. Okay. Donc tu retardes. Je retarde. En fait, au moment où tu veux. Tu dis au moment où tu veux agir, d'accord. Est-ce que tu veux. Et après, t'as géré en permanence à ce truc. 4. Ici, je touche tout le monde avec une couleur d'encente qui part grâce à mon bitonio là. Il doit faire quoi? Fait vigueur. Volonté, excuse-moi. Vigueur, ça aurait été bien. Alors, le druide. Le druide, lui, ça devrait aller. Combien il doit faire? C'est une illusion, donc c'est 15. Tu peux le voir ça tout de suite maintenant si son, là, ils vont tomber dans la pomme. Ok, druide. Après, ça dépend de son nombre de DV, mais. Non, mais ça ira très bien. Attends, jusqu'à 2 DV, ils perdent de connaissance, cécité et étourdissement pendant 2 des 4 rounds. Oui, ensuite. Puis cécité et étourdissement durant 1 des 4 rounds. Ça, c'est pour combien? Hein, c'est pour jusqu'à 2 DV. 3 ou 4 DV, cécité et étourdissement durant 1 des 4 rounds et étourdissement durant 1 round.
5 dB au plus, étourdissement durant un round. Ah. Il voit plus rien. Il est étourdi. Non. Là, ils sont tous étourdis, c'est ça. Tu me conserveras bien les informations parce que moi, je vais pas tout retenir. Tu comptes le nombre de rounds que ça... Alors, tu... Parce qu'en fait, ça dépend pour chacun en fonction du nombre de dB. Ouais, alors, tu vas me compter pour chacun. Donc, le druide, c'est 4 dB. Alors, druide... On va faire plus simple parce que là, je... Si c'était étourdissement durant un des 4 rounds. Ok. Je lance le D4. Vas-y. Les 4. Bah voilà. Étourdissement, ça fait quoi déjà? Mais il est dans les vapes, il bouge pas. D'accord. Bah, s'il est aveugle, c'est pas mieux non plus. Ensuite, les commandos. Ah, là, c'est là qu'il me faudrait le coup odieux. Ah, eux, ça a l'air d'aller. La chante-guerre. Ah, ils ont tous les deux le même, ok. La chante-guerre. Bah c'est râpé, chante guerre. Ah, et elle a combien? Elle a un dé de vie, comme ça c'est réglé. Bah elle tombe dans les pommes. Pouh. Elle est mortelle. Pendant 2 des 4 rounds. 2. 1. 3 rounds. Et après elle va, ah ouais, elle va prendre le même résultat que l'autre pendant des 4 rounds. C'est hardcore. Je fais pour chaque commando ou les deux ça allait? Bah je sais pas, normalement c'est chaque commando. Ouais. Comme alors le deuxième commando. Lui par contre, dans les pommes. 3, plus 4, 7 rounds. Putain. Et enfin, le chef. Le chef. Et son chien. Si c'est un mort vivant, il n'y a pas de problème. Il a 2 DV. Ah bah, jusqu'à 2 DV, c'est perte de connaissance. C'est pas le bon chef, l'autre chef il est dans le lit, il est encore dans le lit, lui il avait l'air plus solide. Il avait pas de chance de la sensation de vigueur ce con. Donc là il reste qui? Alors le chien du coup. Ah oui, le chien. En fait ils sont tous tombés dans les vapes. Eh bah le chien il tombe. Attends, ils sont tous dans les vapes? Oui. Non, il y a un commando qui a survécu. C'est lequel? Alors, je vais te donner un indice. 1, 2, 3, celui-là ne voit rien du tout. Et celui-là est encore debout. Il est encore debout. J'ajoute. Vas-y. C'était dans le genre, pense. Entre les deux. C'est cool. Tu peux frapper. Et tu peux et bon, tant qu'à faire, je frappe. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Vas-y. Je veux frapper, je m'étonne. Bon, je frappe sur celui qui est encore actif. 11 plus. 7, 18. 18. Tu touches. Ah putain, c'était rentable. Tu peux largement le one-shot normalement. 7. Oui. Tu crois que c'est 5. 7 et 5. 13. 12. Il a même pas eu le temps d'appuyer un plan épicier. Bah ça va, les autres n'auront pas le temps non plus. Okay, c'est efficace. Bon, bah, je rentre dans la pièce. À bas niveau, c'est monstrueux quand même. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, voilà, je suis bien là. Pour recommander. Il y en a un qui est en. Il y en a un qui est. Feu. Je peux quand même achever les mecs qui sont tombés par terre. Ah, le pire, c'est qu'il est possible de les acheter. Bah, sachant que t'en as un qui est. Ouais, non, j'ai pas encore. Je ferme ma gueule. Ouais, non, je peux toucher celui qui. Il y en a un qui est encore sous cité. Il était celui qui bouge encore. Mais je le rate complètement. Khalil. Moi, je vais là-bas, là. Et je l'assassine. Hein? Non, c'est une action complexe, assassiner Alex. Bon, il le frappe quoi. Puis, surtout que t'étais là, t'as fait 1, 2, 3, 4 cases. Ok. Bah là, c'est bon, il est. Ah non, il était là, voilà. D'accord. Non, bah non. 1, 2, 3, 4 cases. Ah, il y a un call, il y a une. En fait, c'est. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4. J'ai pas vu qu'il y avait la première. Je pense que ça va changer. Alors, tu comptes un round pour la chambre de guerre? Ouais. Nice. Alors, moi, je dis. Tuez-les tous sauf le roi! Oh! Il est à moi! Et. 1, 2, 3, 4. Et moi je stab celui qui est au sol. Commando 2. Il bouge pas par contre le mec. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas sa dex. Et il a laissé sa classe d'armure sans sa dex. 12. Ah non. Il est dans les pommes. C'est du contact et non. Comment ça c'est du contact? Non, enfin c'est du pré au dépourvu. Non plus. Il est sans défense. Il est au sol. Il a moins 5 de CR, un truc comme ça. Ah bon? Moins 4. Mais il bouge pas. Ouais. D'accord. Moi je pensais que si tu c'était l'armure. Tu mettais juste l'armure. Ah bah il doit avoir l'armure, mais il a un truc genre beaucoup moins parce qu'il bouge pas.
Et qui se défend pas. Bon bah alors oui, ok. T'as moins 4 en fait. Sauf sur un, tu brûles. Alors un mec qui dort, ça va quand même. Tu prends un petit peu au dépourvu. Ah bah oui. Toujours vivant.